bien vous, comment vas-tu? Alors, une petite vidéo assez courte pour entamer ce nouveau mix média que je vais faire. Je vous reprendrai quand j'aurai fait, enfin pour faire la colorisation. Donc, pour vous expliquer, depuis le début, quand j'ai emménagé dans ma maison, il y a maintenant un peu plus d'un an, les locataires qui sont partis, eux, dans le sud, avaient laissé pas mal d'affaires. Et notamment, dans une des dépendances, ils avaient laissé cette jolie petite lanterne. Donc voilà, hein. Lanterne photophore. Et quand j'ai débuté le mix média, je me suis dit qu'il fallait que je la customise. Donc à la base, alors, désolé pour la chaîne, elle va faire un peu de bruit. Ici, il y a de quoi mettre une petite bougie. Donc ça se met comme ça, ça se tourne et voilà, donc à l'intérieur la bougie. Et ici, il y a des petites vitres qui viennent ben, se mettre dessus. Alors du coup, ce que moi, j'ai l'idée de faire, c'est de mettre sur les vitres du papier comme ceci. Alors je vais vous faire voir. Donc c'est du papier de soie et en fait ce sont des pages de dictionnaire. Voilà, donc ici il y a la carte de la, enfin pas de la Somme entière, mais il y a Amiens, ah si c'est de la Somme parce qu'il y a Amiens etc. Donc là où je suis originaire et où j'habite. Donc je pense mettre sur une des vitres la carte donc, de la Somme. Ensuite il y a des petites images avec des fleurs etc. Donc je pense utiliser ça comme, sur les vitres pour pouvoir y mettre ensuite à l'intérieur une bougie en plastique, hein, pas une vraie bougie bien sûr, pour pas prendre feu. Donc je viendrai mettre ça sur les vitres, il faut que je nettoie les vitres. Je l'ai juste démonté et je l'ai brossé avec une brosse métallique pour enlever le maximum de la rouille. Je ne sais pas de quand elle date mais elle est très vieille. Elle était dans une dépendance, voilà, où il y avait, enfin, elle était accrochée sur un clou. Et sur ce clou il y avait un nid d'hirondelle qui était à moitié cassé. Donc je ne l'ai pas cassé, je sais qu'on n'a pas le droit et de toute façon je ne l'aurais pas fait. Donc il était à moitié démonté, donc je me suis dit c'est le moment de la prendre. Parce que s'ils refont un nid par dessus je serais embêtée, bon, ça m'étonnerait mais s'ils refont un nid par dessus ou quoi je serais embêtée, je ne pourrais pas la prendre. Donc là c'était bon moment. Alors bonjour vous ou heureux parce que logiquement cette vidéo sera à la suite de la première. Donc la vidéo de présentation. Donc j'ai déjà protégé mon plan de travail. Car on va passer à la mise en couleur de ma petite lanterne, voilà, que j'ai récupérée chez moi. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et ensuite on passera à la mise en couleur. Donc sur les quatre vitres de la lanterne, j'ai mis du papier. Donc à la base, c'est un peu orangé. Moi, je l'ai collé sur le carreau. Le carreau n'est pas blanc, était un peu vert. Donc du coup, ça donne cet effet-là, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc du coup, j'ai sélectionné deux parties de la page avec des fleurs. Donc il y a une partie avec un artichaut. Et une partie avec, comment ça s'appelle, Artocarpe, donc je ne connaissais pas. Et il y a aussi Artois, avec le blason de l'Artois, qui est une région du Nord, donc où je suis originaire, donc je trouvais ça sympathique de le mettre. Ensuite, sur cette page-là, vous avez donc la définition du mot artiste, donc qui se finit avec celle de l'artichaut, mais le mot artiste est écrit, donc je trouvais ça très sympathique à mettre. Et ensuite, il y a cette dernière, où c'est une carte et on peut voir donc Amiens, Doulan, les deux villes que je connais très bien parce que j'habite à peu près ici. Voilà, donc je trouvais ça très sympathique de mettre ces petites références à ma région. Voilà, donc il faut que je relave les vitres bien sûr après, enfin, en tout cas la face brillante. Je ne les ai pas collées sur la face extérieure mais sur la face qui sera à l'intérieur, d'accord? Donc pourquoi? Bah pour que ce soit un peu plus protégé du temps. Alors ensuite, j'ai sélectionné trois couleurs de mes nouveaux sprays. Donc j'ai pris une de chez Tim Holtz, Ranger, Butter Socks. Donc c'est, comment on peut traduire ça? Butter, c'est du beurre. Et scotch, butterscotch. Butterscotch, c'est pas du whisky, je crois, ou du rhum, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette couleur-là est la marron que vous voyez ici en grande dose, parce qu'en fait, le bouchon, je les ai achetés d'occasion, donc le bouchon était un peu bouché. Voilà, le bouchon était bouché, donc du coup, je l'ai trempé, je l'ai nettoyé pour que le spray remarche par derrière. Donc, ça sera cette couleur-ci. Ensuite, j'ai pris de chez Easy Ink la couleur framboise, donc qui est ici. Très jolie aussi. Et ensuite j'ai pris de chez Easy Ink la couleur T qui est ici. Donc un marron, je vais en mettre très peu parce que c'est très, très foncé. Donc voilà les couleurs et je viendrai dorer ensuite, enfin cuivrer parce que j'ai de la poudre cuivre. Donc le vif du sujet, voici la lanterne. Alors du coup, j'ai peint succinctement la chaîne parce que bah, forcément en frottant en fait ça va enlever la peinture, donc j'ai pas voulu en mettre énormément pour pas que ça colle et que la chaîne elle, soit plus amovible derrière.
Donc c'est pas très grave, moi je vais spray dessus et c'est pas grave. De toute façon, comme je veux un rendu vieilli, ça me dérangeait pas trop. Alors ensuite, on va passer à la face qui sera la face avant de la lanterne, ça sera celle-ci. Et sur la face avant, j'ai décidé de mettre la vitre avec la carte de la Somme, enfin de Arras, Amiens, etc. Enfin, dans un premier temps, j'ai pris les chutes de mon papier de soie. Là, vous allez voir que j'ai chiffonné, que j'ai collé. Et ensuite, j'ai rajouté, là, on peut voir ici, on peut voir un peu là, de la pâte à structure avec des petits graviers dedans. Enfin, pas des graviers, mais des grains. Voilà. Ensuite, sur une des arêtes, on va avoir donc un petit camé avec un scarabée et une petite horloge. Et là, une chute d'arabesque, toujours avec là du gravier, enfin la pâte à structure avec du grain. De l'autre côté, on va avoir donc un insecte, donc un scarabée, avec toujours un morceau de volute là, et deux petits nœuds. Voilà. Ensuite, on va passer au côté. Donc sur les côtés, j'ai décidé de mettre une bordure toute simple ici, là. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil, j'essaie de les faire symétriques. Donc là, vous avez la bordure là. En haut, vous avez un masque vénitien, une petite volute là. Là, ici, vous avez une chute d'arabesque. Toujours de la pâte à structure avec du grain. Et ici, vous avez un aspect serrure. Donc là, forcément, je l'ai fait en pâte à structure, donc c'est assez mou. De l'autre côté, c'est fait en terre, donc c'est plus dur. Mais quand tu auras la vitre dessus, j'ai décidé de ne pas le coller sur la vitre, parce que si au cas où je veux changer le motif des vitres, ça sera toujours faisable, ça ne sera pas collé dessus, je pourrais toujours enlever les vitres, etc., les nettoyer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis les vitres et collé derrière, puis de toute façon, il fallait que je spray, donc enfin bref. Ensuite ici, j'ai rajouté un petit médaillon, un peu effet médaille, donc j'ai pris un cadre, un petit cadre rond. J'ai rajouté un petit nœud ici avec ces petites pendouilles, et une rose au milieu. De l'autre côté, du coup, vous avez pareil en symétrique, là ici, vous avez le camé. Donc on retrouve aussi le camé, la volute et l'horloge, ben la montre à gousset qui se retrouve aussi ici. Voilà. De l'autre côté, donc, on a cette face-là. Sur la face en face, voilà, sur la face en face, j'utilise des mots vraiment très... Enfin bref, ça sera le même principe. Donc toujours le masque vénitien, les petites volutes, une petite chute ici. Là, vous avez donc le moulage en terre. Donc là, il est plus dur. Vous voyez, je peux pas le bouger. Et ici, vous avez la même chose, donc le cadre, le nœud et la rose. Le seul problème, enfin, le petit problème, c'est que du coup, il fallait que ça tienne sur les petites barrettes là. Et forcément, il y a une barrette qui est comme ça, et il y en a une qui passe en dessous. Donc j'ai mis des cales sur celle qui était en dessous, et en appuyant, j'ai cassé le cadre. Mais ce n'est pas grave, vu que je veux un aspect vieilli. Voilà, et toujours la même bordure que de l'autre côté. Voilà, et donc forcément, ici, toujours en symétrique avec ce côté-là, vous avez un insecte, enfin le scarabée, mais cette fois-ci sans les ailes déployées, une volute et toujours les nœuds. Et sur la face arrière, elle est tout simple, mais vous avez le reste des bordures, parce qu'en fait, les bordures, elles prenaient ça, et elles se rejoignaient ici. Et puis, au-dessus, c'est la même chose, vous avez une arabesque, la petite volute et la serrure. Donc on retrouve aussi de l'autre côté. Voilà, donc j'ai décidé de décorer les croisements sur les côtés et pas sur la face pour qu'on puisse voir la lumière à travers les vitres et pas qu'il y ait trop d'obturation. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les explications. Donc voilà, donc là je vais passer en accélération pour la colorisation.
qui a eu un petit souci, on va dire, mais c'est pas trop dérangeant parce que ça me plaît quand même, c'est que le vernis en bombe que j'ai appliqué a dissous un petit peu, je sais pas comment dire, mais a dissous un peu l'encre à alcool que j'ai mis. Enfin, c'est pas l'encre à alcool, c'est de, je crois que c'est de l'acrylique, je crois. Enfin, mes sprays, en fait, ça a dissous mes sprays et ça a rendu la création un petit peu plus claire. Voilà. Donc, bah tant pis, mais ça me dérange pas, c'est assez bien. Parce qu'en fait, je voulais donner un effet un peu plus rouille, un peu plus vieilli. Et là, ça fait très, très pastel. Mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Donc, tant mieux. Donc, du coup, j'ai peint aussi et ancré aussi donc la chaîne. Il n'y a que ce chaînon-là que j'ai pas fait, mais ça me dérange pas parce que c'est à la base c'est pour être accroché, donc c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez le dessus. Et là, est-ce que vous allez voir? Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir exactement ce que je. Si je me mets là, ouais, voilà. Là vous voyez que c'est beaucoup plus clair que à la base en fait. Je vous mettrai une photo avant le vernissage. Enfin, je ferai une capture d'écran sur au moment où j'ai fait la colorisation. Et vous verrez que c'est beaucoup plus clair. Mais voilà, comme je le dis, ça ne me dérange pas. Là, par exemple, les cygnes, c'était beaucoup plus rouge et brun que rose, comme ça. Vous voyez? Donc bon, voilà. Donc du coup, ça, c'est la face avant. Donc avec une serrure. Et puis en bas, il y a les cygnes. Et le carreau, c'est la carte de la Somme. Ensuite, vous avez le premier côté avec un médaillon avec une fleur. Et donc, du coup, à l'arrière, j'ai mis une fleur aussi, enfin, sur la vitre. Et c'est la définition de l'artocarpe. Alors, je ne connaissais pas, mais comme il y a une fleur, voilà, j'aimais bien ça. Ici, il y a une charnière. Et là, vous avez un masque vénitien. De l'autre côté, ça se présente exactement pareil. Voilà, le masque vénitien, la charnière, le médaillon avec la fleur. Et derrière, c'est aussi une fleur, mais c'est la définition de l'artichaut. Voilà, donc c'était pour... Bon, il y a deux côtés végétaux. Ici, ça va être le principal avec la carte de la Somme. Et à l'arrière, c'est pareil que la face avant. C'est toujours en symétrie. Vous avez donc la serrure. Là, par contre, vous n'avez pas de signe parce que c'est l'arrière. Et vous avez une page avec, pareil, des définitions. Et il y a principalement la définition du mot artiste. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième un petit souci aussi. C'est qu'il y a eu une accumulation d'encre à certains endroits. Et par exemple, ici, vous voyez que c'est beaucoup plus noir. Là, ici, dans les rainures, c'est beaucoup plus noir aussi que sur le reste de la création, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Et pareil pour les arêtes, ça va être le même principe en symétrie. Donc là, vous avez un médaillon de scarabée avec une montre à gousset, et sur de l'autre côté, vous avez pareil le médaillon, la montre à gousset, et sur les deux autres, vous avez donc un scarabée avec des petits nœuds et une petite volute. Et en symétrie, vous avez pareil le scarabée, c'est pas le même parce que là, il a pas les ailes déployées, mais c'est pas grave. Et là, vous avez pareil les nœuds avec une petite volute. Voilà, donc il manque plus, c'est à trouver une bougie à pile pour mettre dedans. Donc c'est soit je mets des LED, enfin un bandeau LED ou quoi, ou soit je trouve une bougie assez grande quand même. J'aimerais qu'elle soit grande comme ça pour que ça illumine un peu plus la lanterne. Voilà, donc je vais mettre mon téléphone à l'intérieur. S'il passe, non, je crois pas qu'il passe en fait. Je vais mettre quelque chose à l'intérieur pour que ça fasse de la lumière et je vous mettrai une photo de comment ça rend quand c'est éclairé. Voilà, et ben écoutez, moi je suis plutôt contente du résultat. Elle est toujours mieux qu'à l'origine. Et je suis contente d'avoir enfin pu travailler sur cette petite lanterne qui dormait dans ma dépendance. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous inspirer aussi. Et puis ben on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!